Un petit mot sur match, le match contre l'Irlande, le résultat, etc. Je trouve qu'on n'a pas été si mauvais que ça, mais bon, c'est vrai que ils nous ont fait mal dans les ballons longs. À chaque fois qu'il y avait un ballon long, on était en danger. Donc il y a eu 3-0, ils ont fait le poteau, donc c'est vrai que ça aurait pu être plus lourd encore. Donc on voit que le chemin est long encore, qu'il faut beaucoup travailler et tout, que ça s'arrête pas ce match-là, mais c'est vrai qu'il va falloir travailler pour arriver au. Vous êtes très déçu quand même. Par rapport au résultat ? On est déçus par rapport au résultat, surtout qu'il y avait les supporters et tout. C'est vrai qu'on aurait aimé faire un bon résultat ici. Et puis au final, on prend 3-0, donc c'est vrai que c'est dur. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à travailler. Et puis on verra comment ça se passe. Vous étiez l'un des meilleurs aujourd'hui sur le terrain, malgré la défaite. Deuxième défaite de l'Algérie en présence de l'Hassan. 3-0, mais vous avez donné le maximum de vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux défaites quand même qui... Avant le mondial, c'est un peu. Et c'est vrai que tout le monde préférerait gagner pour la confiance, pour voilà. Maintenant, il nous reste un match amical à bien préparer. Je pense que ça serait bien qu'on gagne pour prendre de la confiance. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui ? Je pense c'est que on a joué dans un système aussi que on n'avait pas beaucoup travaillé, que il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, moi y compris. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'automatisme encore. Donc vraiment, voilà, là on va retourner après en Allemagne pour travailler tout ça. Il nous reste encore 2 semaines pour travailler, donc on a le temps de faire du bon boulot. Vous êtes confiant ? Ouais, je suis confiant et je répète qu'on fera tout pour ne pas décevoir toute l'Algérie, tous les supporters et qu'on va se donner à 100%. T'as dit au niveau de la production, c'était pas si mal. Quelles sont les choses positives que tu as vues dans ce match ? Les choses positives, je pense que même si on n'était pas habitué à jouer dans ce système, que c'était pas mauvais non plus, quoi. Que quand on a eu le ballon, on a essayé de jouer au ballon, de jouer au sol, dans les intervalles. Donc c'est vrai que c'était pas facile, mais bon, y a plus, comme je t'ai dit, déjà à travailler et puis voilà. Okay. Merci.